Voilà. On va faire comme ça. Merde, j'ai pas mis le chat. Merdoum. Pourquoi il m'a éclaté au 4 tiers? Ah non, c'est parce que c'est l'écran titre. D'accord. Alors souvenez-vous, épisode précédent, c'était le troisième et j'avais poutré le singe à coups de noix de coco. Authentique. Ah, la musique moisie. Oui, un autre FPS, mais plus doux, ouais, c'est ça. Alors, attends, j'en étais à... Comment ça, Prout? Ah oui, Prout, c'était le départ du nouveau truc. Ah oui, il faut charger Prout. Aïe! Merdoum! Attendez, faut que je reprenne mes repères. Et là, je pouvais charger, je crois, c'est ça. Ah merde, j'ai fait sauvegarder. Oh, qui con. J'ai fait l'inverse. Donc, charger, c'est quoi? Ah oui, c'est comme ça. Ok. Et j'ouvre la porte comment? Ah. C'est trop bizarre. Mais j'ai coche chelou. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Mal de fou, toi. Oh, je joue mal. Ah voilà, je joue tellement mal que voilà le résultat. Wow! Comédie, waouh! Oh merde! Il a fait une erreur par surprise. Ouf, c'est chaud. Oh! Oh merde, j'ai sauvegardé au moment où je me fais buter. Alors ça, c'est pas cool. Ah non! La sauvegarde de mort! Non! Le truc à pas faire, sauvegarder quand tu te fais tuer. Tu peux pas essayer de mettre ta cam à la place de la tête de l'interface? Oh, pfff. Je vois où tu veux en venir, Twin Sen. Oui, c'est vrai que ça serait rigolo, mais ça demanderait trop de technique en fait. Faudrait que je refasse un redécoupage de la webcam. Mais je reconnais que ça serait rigolo. Sacré Twin Sen. Ah non, mais c'est l'horreur! J'ai sauvegardé au moment de me faire tuer. Waouh! Ah ouais, non, mais je recommence comme ça. C'est chiant, je suis à poil maintenant au niveau des armes. C'est un peu long de redémarrer. Voilà. Bon, je me fais déboîter. Si je vais en face. Ah ouais, non. Wouah, la violence! Bouger les yeux pareil, ouais. Ah oui, ah oui. Non mais sérieux, là, c'est... Non, je voulais sauvegarder justement. Vraiment, je suis confus dans les touches. C'est un cauchemar. Putain, je suis balèze, lui. Ah! Non, je me fais poutrer. Ah, j'ai un meilleur... J'ai déjà un meilleur flingue. Oula, il y a trop de monde. Je vais me faire buter, Ouais. C'était à craindre. Ah, buffez-le. Oui, il faut pas que j'oublie d'aller sur les ennemis récupérés de matos. Oh, j'ai trop dur, je me fais déboîter. On voit que c'est un épisode balèze. Hein. Qu'est-ce que ça va être les autres? Oh bien. On y croit. Non, il... salaud. Pardon, je suis grossier, mais il me fait... Hein. Ah, il me faut.
Non, mais ils m'ont littéralement jeté. Non. Mais ce jeu est dur. Ah, les vilains. Non, il va me trucider. Et voilà. Vous allez voir, je pars aussi du niveau pendant une heure. Le cauchemar absolu. Pas mal, je me défends. Je me défends très bien. Hop, attendez, là faut que je sauvegarde là parce que. Ouais. On y croit. Ouais, d'ailleurs j'estime avoir fait de la merde donc je recharge. Parce que j'étais à 95 donc. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé en vrai. Wow! Ah oui, là, pareil, là. Je refuse d'avoir perdu autant. Vilaine bête! Ah, il y a du pansement là-bas. C'est bon à prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je me suis trompé de touche. Comme d'hab. Wow, je suis... Oh, je t'ai vu, toi. Merde, mais j'ai pas assez de munitions, ça craint. Ah! Il m'a fait peur, le buffle. J'ai l'appréhension d'avancer dans le niveau. C'est le jeu qui me donne une pression psychologique. Non, vilain! Oh, je suis à poil sans munitions. Oh, merde! Oh, je me suis fait déboîter. Ah, il y a des munitions là. Hop. Non, personne m'a vu. C'est bon, ça. C'est la bonne opération. Oh, le buff. Pas beaucoup de munitions, je trouve. Merde. Oh, c'est limite hein, au niveau des munitions, vraiment. Je trouve le jeu sévère. J'avais une difficulté normale, je crois, en plus. À un moment, j'ai... Merde. Je crois que j'ai... Alors lui m'a redéboîté. Re-Olive. Attends, les animaux m'ont déboîté. Et je sais plus où est-ce que je... Ah non, c'était là que j'allais. Oui. Voilà, lui de dos. Attention, il y a l'autre qui va me déboîter. Alors, retour en arrière pour aller chercher des pansements. Je sauvegarde. Hop. Ça me persuade de recommencer la manœuvre. Voilà, là j'ai un pansement. Et j'en avais ailleurs, je sais plus où. Ah, des munitions. Très bien. De l'intérêt de bien explorer. Quoi? Une gobie buhotte, tu as pêché, Olive. Mais c'est nous de fou. Ah, c'est là qu'il y avait un truc intrigant, ouais. Les portes-là m'intriguent. Wouah, l'accueil de l'autruche. Comment qu'elle m'a agressé. Oh non, mais c'est du pansement de petit. C'est pas avec un tel pansement qu'ils vont sortir. Oh, l'épée. Ah, elle m'a tué. Ah, Bastos qui joue au tableau mystère. Je sais pas, oh. Je sais pas où. Ça arrête d'avoir le sang dans la colonie. 3 semaines d'absence. Ils m'ont violenté. Les vilains bestiaux. Attends, y a pas un truc qui se pousse? Non,
cette pièce. Y a pas un mur qui coulisse, une latte qui se détache. Non. Gris. Gris, 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 gris. Pouc. On touche de mes deux. Ah bah, je reprends des couleurs. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a un truc qui coulisse dans cette pièce? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Là non plus. On va essayer, mais je suis pas pessimiste. À moins que ce soit dans les murs meubles. Non, le mobilier, non, ça bouge pas non plus. Ça va, les animaux font dodo, ils ont été assommés. Ils ont cessé de semer de boxons dans l'arche. La 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 la. D'accord. Merde. Ah. Pareil. Rien de coulisse. Ah oui, c'est vrai que j'ai le droit à une carte aussi. Elle est où la touche? Ah, c'est la touche là. Oh! On voit qu'il y a des trucs que j'ai pas fait. Mais non, mais non, mais non, mais non. Alors, je perds des munitions pour rien. D'ailleurs, je suis tellement honteux que... Hop. On n'a rien vu. On n'a rien vu! Ah oui, c'est la porte là que j'ai pas faite. Merci, d'accord. Y'a rien. Ah mais oui, c'est le... Bah oui, c'était l'entrée de départ. Bizarre. Mais je pense qu'il faille aller là. Mais non, mais qu'est-ce que... Ah mon dieu, je suis peur. Tiens, d'ailleurs, je vais écraser. Allez hop. Je vais dire que c'est celle-là, ma sauvegarde active. Avec eux, on va pas être copains. T'as beaucoup de munitions pour pas grand chose. Hein. Alors, ça, à mon avis. Enfin, c'est pas logique, mais. Ouais. C'est une fausse cage cassée. Oh! Ça fait plaisir. Et c'est pas fini. Oh merde! Wouah! Cette violence. C'est dur. Ce jeu est difficile. Attention. J'ai osé faire une sauvegarde vraiment dangereux. Suivant. Allez, doucement, les gazelles. Merde, j'ai oublié le quatrième. Voilà, très bien. Alors, j'ai gagné une vie. Waouh, comme on dit. C'est les munitions que j'aimerais gagner. J'ai plus assez de munitions. Fais l'œuf et la poule, là. Attends, je devrais trichoter avec la carte et voir si... Elle est où, la carte? Ah, j'ai reperdu la touche. Ah, c'est cette touche-là. Non, visiblement, j'ai plus rien. Non, j'aurais pas dû me coller à lui. Je recommence. Grosse erreur stratégique de ma part. J'aurais jamais dû me coller au niveau. Merde. Voilà, là je re-sauvegarde.
Ah bah c'est pas mieux. Oh là! Comment qu'il m'a allumé? Ouais, stratégiquement, ça m'intéresse. Qu'est-ce que... Ah, et il n'y a pas une... Il n'y a rien qui se pousse. Je me méfie. Je me méfie des murs qui coulissent. C'est comme t'entends. Bon, vu la carte, la probabilité est faible, mais j'aimerais vérifier comme quoi il n'y a rien. Ouais. Ah, lui sort, lui. Oula. Oulala, ça va être sport par ici, je le sens. Ah, ça va être... Ah. Ouf. Il m'a foutu des jetons. Oh, mais il me démonte à chaque fois, lui. Je peux même pas aller au contact. Bodeloum. C'est une honte. Encore? Oh là là! Oh, les bestiaux! Comment voulez-vous que je m'en sorte? Je fais plus usage de munitions que je n'en récupère. Je vais me retrouver à poil ou au corps à corps. Ah, il y a une autruche là, une excitée. Non mais elle va me déboîter, l'excitée. Voilà. Heureusement que j'ai sauvegardé juste avant. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah! On avance, on progresse, on y croit! Oui, ça m'a moins de chèvre, exactement une scène, bravo! Ah! Gobi, attache-toi! Arrrr! Alors que je viens de me faire démonter par. Une gazelle. Ah! Mais c'est pas vrai. Il y en a combien? Oh le bol. Oh, c'est pour se barrer. Quand il y a le coup des flèches, ça veut dire qu'on va se barrer. Ah, la bonne blague. Oh. Ah. Ouf. Ouf. Oh, 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 oh. Ça en fait du monde. Non, ouais. Je peux même pas me vautrer sur les soins. Les autruches m'explosent. Putain, c'est fou quand même. Oh, je la gère comment cette situation? Attends, je les provoque et puis. C'est que comme ça que je vais y arriver normalement. Je vais pas revenir en arrière, si. Mais si je fais la carte. Ouais, je sais pas, il y a différents trucs. Ouais, c'est pas clair. Je coupe les ongles d'une fourmi et je mange une plume d'un hérisson. Oula, on a perdu une scène qui nous fait des contre-pétris, je crois savoir. Ah,
une en moins. Oh! Cette violence. Oh non! Message de Torota 77, Camoulox. Camoulox. Oui, je les ai vaincus. Oh la vache. Olive qui dit je fouille dans la boîte à chaussures et j'engage une calatéa. Oh là 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 là. Ça y est, je vous ai perdu là. Mais attends, du coup, si moi je peux me barrer à partir de là, la clé en or, elle correspond à une salle bonus ou quoi? Parce que je veux bien, hein. Je veux bien une salle bonus. Vu que je manque de matos et d'armes. Ah! Référence à hier soir en fin de live de Bastos, on est parti en vrille avec une scène et LJ. D'accord. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, ce jeu qui rend fou. Mais j'allais dire, elle va payer pour toutes les autres, mais non, elle m'a déboîté. Ça fait du bien de se lâcher un peu parfois, dit Olive. Ah bah oui, il faut. Oh! Mais c'est là où je... Mais non, mais je suis revenu à mon point de départ, moi. Ah! Non, mais l'autruche, elle amène nulle part. On est d'accord. Oui, elle amène nulle part. Bon, j'ai assommé l'autruche, mais... Attendez. Il y a une porte que j'ai pas faite. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est pas clair dans ce niveau. Il y a du lourd qui m'a échappé là. Il faut que je fasse le plein de munitions et surtout de flingues. Parce que j'ai pas les bons flingues. Ça, c'est quoi ça? Il y a une foutue porte en or. C'est un long couloir par là-bas, visiblement. Il faut que je me barre par là-bas. Malin, le Lynx. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Oui, c'est surtout la musique qui rend fou. Mais j'aime bien ce genre de musique. Merde, homme, je vais recommencer un long chemin. Oui, la musique rend fou, mais je trouve qu'elle est bien composée. Et j'aime bien les trucs rétro comme ça. Enfin bref, vous me connaissez. Ah, Mimote 2002, là.
Voilà, je vais à partir du celui qui fait de dos sauvegarde, au moins ce sera pas à refaire au niveau de la promenade dans le corridor. Allez l'antilope de dos. Ah voilà, merci. Ah je me sens mieux là. Ah oui. Ah, de l'intérêt de bien fouiller les nuits. Oh. Mes gémissements deviennent indécents. Tellement c'est bon de refaire le plein de munitions. Voilà, et là je me dirige vers la sortie. Là je me sens mieux. Bon, ma santé est pas top, 14%, mais. Sniff. Il sniffu. J'ai pas l'impression. Ah si. Ah si, il y avait une clé. Oui, j'avais fait cette salle aussi. Pardon. Je commence à avoir la vessie qui me pèse sérieusement. Il faudra que je repasse par la case toilette, moi. Attends. Ah oui. Oui. Je ne repousse pas une arme. Ah. Attends, j'ai pris la sortie. Oh mon dieu. Oui, c'était par là-bas. Ça me parle. Ça me parle. Il y avait le labyrinthe. Il est où le labyrinthe? Mais non. Ah, carte. Ah oui, non, c'est la porte là-bas. Alors, pardon, je joue avec la carte en surimpression. Ça pique les yeux. C'est Gerbotron. C'est pas fait ça. Pourquoi j'ai pas fait ça, moi? Ah! J'ai entendu galoper, ça m'a fait flipper. Oui, attends, mais il y a des trucs que j'ai pas fait, sans déconner. Là, il y a du monde. Ah oui! Bon, au moins c'est fait. Alors, carte. Il faut que je m'engage là-bas. Ensuite, il faut que j'aille là. Là. Je crois que c'est. Voilà. On y croit. On va sortir de ce niveau de fou. Vous vous rendez compte, c'est le premier niveau de cet épisode 4. Bah je suis pas prêt de finir l'épisode 4, à mon avis je le finirai pas aujourd'hui. On verra combien de temps je mettrai à déjeuner, d'ailleurs je suis pas malin. Non ! Il y a un animal qui a échappé à mon... Oh ! C'est scandaleux. À mon assommage en règle. Enfin, on verra, oui, je vais peut-être mieux optimiser ma cuisson, mais parce que je vais manger une flamme à queue. Alors attendez, ouais, je vais faire ça. Je m'octroie une pause de 2 minutes, le temps d'enfourner ma flamme à queue, je reviens dans 2 minutes. Avec la musique folle que je vous laisse. Je reviens.
là j'optimise mon temps de jeu. Parce que je suis allé enfourner la flamme cush comme ça, le temps que ça cuise, je peux continuer à jouer en votre compagnie. Voilà. Allez, zou. Zou, zou, zou. Que je remette les écouteurs, que j'entende par où arrivent les ennemis. J'ai eu le temps, en même temps, d'aller soulager ma vessie aux toilettes et de me laver les pattes entre temps. C'est 100% confort. Merde, Doom, qu'est-ce que j'ai fait? Et alors, on reprend. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Surprendre par les animaux sur les côtés. Oh, j'avais oublié qu'il y avait des questions sur la Bible. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On peut gagner des points bonus. Enfin, des points bonus, et puis... Alors, question 97. Oh la vache, et il y a 100 questions, apparemment, sur Noah. Alors, un mâle et une femelle... quoi? Ah oui, une mâle et une femelle de chaque espèce d'animaux ont été embarqués sur l'arche. Oui, vrai. Bah oui, sinon il n'y aurait pas pu y avoir de reproduction. Ça aurait été débile de faire des... hein, bon. Des binômes homosexuels. Question 98. Combien de temps Noah... quoi, a envoyé Dove? À part le savon, qui n'en est pas un, d'après la pub, je vois pas qu'est-ce que Dove. Combien de temps Noah a envoyé... hors de l'arche. Allez, on va dire 3. Oh, bah j'ai gagné. Et je récupère de la santé en plus en répondant bien aux questions. Question 99. Quel était l'âge de Lamech quand il a rencontré Noah? Il avait 135 ans, 192 ans ou 199 ans? J'ai envie de dire 182 ans. Oh, j'ai vu juste. Dove égale colombe. Merci, Torota. D'accord, ah, tu m'apprends un truc. Question 1. Quel était le père de Noah? Alors son père, c'était Methuselah, c'était Lamech ou Enoch? Bah, c'était Enoch, non? Ah non, c'était pas Enoch. C'était Judas. Ça parle mal. Et son nom de famille, Brico. Elle est nulle. Oh, les oiseaux en cage. Oh, vrai, là, aux oiseaux. Et plumer les autruches aussi. Ah merde. D'ailleurs j'aurais dû sauvegarder après un tel succès de questions sur la Bible. J'ai eu 3 bonnes réponses sur 4. Je suis fier. J'en ai eu beaucoup au pif, hein, mais... Ah, vilain animal. Le... c'est bon? Ah non, c'est pas bon. Mais... animaux dissidents au dodo. Ah oui. Oh non. Il y avait des munes. Oh là, la carte elle est bizarre. Regardez-moi cette carte, en mon lieu. Oh, j'ai un trop plein de munitions. Incroyable. C'est grand. Elle est grande, l'arche. Extraordinaire. J'ai pas la clé. J'ai la couillon. En plus, la logique de l'arche. On a du mal à imaginer que ce soit des panneaux en bois, les murs, là. C'est plutôt de la terre bien lourde, comme une graine, je sais pas quoi. Donc le large va couler. Wapapalapapilou apachibidibidou. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, niveau de dos. Qu'est-ce que... qu'est-ce que Prout... attends, va trouver la clé en argent parmi les tonneaux. Popopo. Alors là, je le garde. Et là, je vais en baver.
Non mais il y a trop de monde là, eh oh, arrêtez. Je peux pas. Y'a trop de monde. Aïe. Putain, mais faut faire son Rambo là. Non, j'ai eu tout le monde. Oh, le miracle. Non, j'ai pas eu tout le monde. On a entendu. Salopio, il est où? Brigand, où es-tu? Au dodo. La clé, elle est là. Pas mal de jouer avec l'illusion des tonneaux. Malin, malin. Ah ouais, faut que je récupère des munitions, là, arrêtez. C'est n'importe quoi ce jeu. Il est trop bien. Noé, 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 pourquoi t'es pas sur le bateau? Noé, Noé, dadi, 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 dadi. Ouais, je la réécoute, cette chanson, elle est belle. Noé, 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 pourquoi t'es pas sur le bateau? Noé, Noé, dadi, dadi, dadi. C'était la clé en or qu'il fallait? Je sais plus. Ah non. Oh oh. Alors. Oh oh. Et là j'ai un voilà. Qui a failli me déboîter, génial. On se demande comment il a fait à cette distance pour me foutre un coup de corne. Oh. Qu'est-ce qui c'est que ce. Oh j'aime pas le pot. Oh lolololololol. Quoi? Waouh! Waouh! Attendez, la pièce elle est énorme là. C'est du délire. Mais toi-même. Oh, il va y avoir du monde. Je sens qu'il va y avoir du monde à droite. Et pan! Ah non. Qu'est-ce que... Non, non, les gazelles. Dodo, les gazelles. Ah, le buffle. Nello. Il y a peut-être quelque chose. Je sais pas, on va tester. La, 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 la. Oh, je sens le vent qui souffle dehors. Ça me bouffe. Hop 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 voilà hop 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 hop. Ah. Oui. Et je dis oui au pas chemin. Je n'avais plus beaucoup de vie. Allô Kiki. Ça sent l'entourloupe. Ah non. Mais j'en ai mon en folie chez la vie. Ouais, on sent qu'il y a une autre pièce à côté. Bon, on sent, on le lit sur la carte. Le fait de sentir une pièce. Enfin, il peut y avoir des choses très odorantes bien proposées dedans. Mais le jeu n'ayant pas d'émission olfactive, j'allais dire heureusement. T'as vous imaginez tous ceux qui sont allergiques aux poils de je sais pas quoi, poils de chien, machin. Dès qu'ils font un jeu vidéo avec des animaux dedans, il y a Hachum. C'est horrible. Le jeu trop immersif. Scandaleux. Ah, je suis perdu. Attendez, j'étais venu par là, moi. Ah. Et... Voilà qui a été un choix judicieux. J'ai bien fait de me promener dans cette pièce. Je crois que je suis... Ah oui, je me souviens où est la porte argent. Elle est au début.
Attends, il me faut des munitions. Munitions. Il me manque des munitions. C'est pas par là. C'est par là-bas. Mais oui, j'avais été intrigué de me dire je veux une porte. Ouais, j'ai assommé tout le monde. Donc... Ah! Il a fini de bêler en galopant devant la porte. Non, il n'y a pas de baie qui tienne. Aïe! Un buffle qui me débloque. Oh, une question sur la Bible. Question numéro 2. Quel âge avait Noah quand il a eu Shem, Ham et Japhet, ses enfants? Bah, il avait 100 ans, non? Ah, il était si vieux que ça. Il avait chien changeant. Question 3. Combien Noah avait-il de fils? Bah, 3. Tu viens de les nommer, patate. Ah, ce jeu. Question suivante. Quel est ton nom? Bon appétit hein, pour ceux qui passent à table. Moi, je vais pas tarder à déguster ma flamme à pêcheur. Ce soir, avec les bibis, vers 18h, j'aurai le plaisir de savourer une mousse. Depuis bien longtemps, d'ailleurs. Bah, ça fait 3 semaines que j'ai pas bu de mousse. C'est un scandale. Ah oui, j'étais absent 2 week-ends de suite. Puis ma mousse ce soir, ça sera la mère que j'adore, qui est la... Je m'en suis acheté un lot de 4. La Guinness. Je vous la représenterai tout à l'heure, pour ceux qui la connaissent pas. J'aime beaucoup la Guinness. J'en salive déjà parce que je m'en rappelle du goût délicieux. Enfin, moi, ça me procure beaucoup de plaisir. Putain, j'ai peur, j'ai cru qu'il était... Ah non, il n'aurait plus quoi pour que les deux ça s'ouvrait. Mais... Ah! Il m'a fait beaucoup de bobo. Il m'a tellement fait bobo que ça fait suer d'ailleurs. Parce que je vais prendre le niveau suivant en étant dans PLS, donc non. Ce remis de... Une mauvaise gestion d'action. Attends, que je récupère. Oh oui, c'est dommage quoi, j'étais à 100%. Ouais, Guilines, la bière qui chatouille sous les bras. Ah, oui, la Guili Guili, bien sûr. Ah là 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 là, sacré olive. Comment ça, il me dit... Ah oui, non, c'est après qu'il fait le décompte des... Je me disais, mais c'est bizarre. Ah, j'ai neutralisé tous les animaux. 0 fruits, 0 secrets. Oh la honte. Toi t'as dit il aurait pu sauver un de ses fils, mais son fils a refusé de rejoindre Noé. Ah, référence à Nehelbuck. Alors pardon, je suis inculte. Je ne connais pas Nehelbuck. Tout ce qui est référence Seigneur des Anneaux, Camelot, j'ai pas. Parce que c'est des œuvres que j'ai jamais accrochées. Le peu que j'ai vu, je... Bon. Voilà quoi. Attends. Oh là 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 là. Au niveau labyrinthique de la mort qui tue. Ah bah, je commence mon. Oh là là. Ah! Je l'ai entendu bêler.
Ah, ta gueule le chivrou. Ta gueule, ta gueule. Ah, au dodo. La 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 la, c'est encore un niveau de ma boule. Histoire audio d'une bande de clampins qui vont dans un donjon. Ah oui, mais attends, il y a une chanson musicale qui est la favorite d'ailleurs d'Aerostar. Oui, si je dis pas de bêtises, non, mais elle est géniale cette chanson française. Le mec qui voulait être le héros le temps d'une journée, qui avait marre d'être ébéniste, là, je sais plus, il faisait des chaises en bois. Il a voulu partir à l'aventure en prenant un glaive. Et puis je sais plus, sa mule, et en fait il se fait déboîter, la chanson comique est très drôle. La 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 la. Oui non c'est vrai, oui, oh là là mon dieu. Excellente chanson. Au secours, je suis perdu dans le labyrinthe. J'ai besoin de Google Gadget à la carte. Ah! Ah! Ces animaux vont me rendre barge. Non, j'ai plus de mun. Ah, bah j'ai d'autres munitions. Dodo. Ah oui, c'est de l'artillerie lourde là. À l'aventure, compagnon. Donjon de Neighborhood, si je raconte pas de bêtises. Oui, merci. Mais. Je balance deux trucs dans la tronche, la gazelle, fais pas dodo. C'est abusé. Oula, il faudra que je retire déjà mon miam du four là. Attends, je veux les munitions, mais j'ai peur de tomber sur un ennemi. Oula. Sérieux? Ah! La gazelle. Oui. Oh. Que signifie? Oh cool. Oh cool. Oh la bonne réserve de grosses munitions dans l'arche. D'ailleurs, pardon, je sauvegarde et je fais pause parce que j'ai peur de cramer mon repas. Donc... je vais désactiver mon four, mais je vais laisser la flamme cache dans le four. Comme ça, elle aura une cuisson lente. Ah, c'est beau le confort. Tiens, d'ailleurs, je vais boire un coup de café au lait. Je l'ai franchement dans le U. On a l'impression que je suis au fond du U. De sac. Ah! Allez, tous avec moi. Avec cette musique folle! Et ces animaux qui me font flipper. Non, j'ai besoin de la carte au secours. Oh là! Qu'est-ce que j'ai pas fait là? J'ai déclenché le mode super folie de souris. Attends, pourquoi j'ai une porte là? Ah oui, parce que je reviens dans le couloir principal. Non? Qu'est-ce que... Où suis-je? Oh! Attends,
Attends, c'est un portrait de madame. Ah, bonjour madame. Le portrait d'Elizabeth Borne quand elle était plus jeune. Oh ! Violence ! Mais si je vois là... Ah, c'est autre chose ici... Oh ! Putain, il m'a déboîté le bûche. Oh, macaque. Le macaque, on l'a maîtrisé à l'épisode précédent. Ah oh ! Waouh ! Oh non! Oh la mauvaise blague. Waouh, quand même. Aïe 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 aïe! Waouh, je me fais déboîter, oui. Oh, le buffle, mais il me fait mal à chaque fois, quoi. Aïe, c'est du suicide. Oui, c'est du suicide. Je ne peux pas y aller bourrin. Hop. Vilain bœuf. Voilà, c'est bien. Alors, on va plutôt faire comme ça. Sauvegarde, ça se maîtrise bien là. Oh, troisième. Quatrième. Cinquième. Ah merde, il y en a deux là. Ferme même. Ah là 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 là, un stéréo. Mais du coup, l'autre salle cachait quoi? L'autre salle cachait forcément quelque chose. Sinon, il m'aurait pas proposé. Attendez, on va aller voir, parce que si je passe à côté d'un truc important, ce serait malheureux. Cette porte-là. Souvenez-vous, là, avec le portrait d'Elizabeth Borne plus jeune. Comment un jeu à l'aspect enfantin arrive à me donner autant de stress? Mais vraiment... J'ai peur de me faire patater par les animaux. Il y a encore un jeu de salle. Il est où? Ah, c'est une antilope. Mais oh là 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 là, je peux pas tirer droit. Oh. Oh la ruse. Comment la bête a essayé de me contourner. Ah. Que stress. J'ai la délicieuse odeur de ma flamme cache qui embaume l'air. Dans mon doux logis. Dans ma garage. Ouais, triangle. Ah oui, il y a rien au bout. Et on pourrait croire que c'est la pointe du navire comme ça. Attends, mais il y a des trucs cachés, c'est pas possible. Ah, mais il n'y a rien de caché, non? Non, je suis déception. Ah merde, j'ai failli oublier la santé, moi. Et la munition.
Ah, Nashman qui confirme les dires d'Olive qui tue au niveau des références culturelles. Bien joué, bien joué. Bon bah ça va, le petit détour valait le coup, un petit peu de santé, quelques munitions. Enfin, je suis peut-être pas bon en charge de munitions, mais au moins j'aurai le quota d'animaux maîtrisé. J'ai pas regardé dans les interstices là. Il y a peut-être des choses. Ouais, c'est pas clair. Il y a pas un truc qui coulisse. Attendez. On va encore prendre le temps. Bon, je crains qu'il n'y ait rien, mais bon. On peut qu'il y ait un... Surtout sur le côté là. Ah bah voilà. Rien d'autre. Pas de secret dans le secret. Alors je sais pas si un jour je vous le ferai à l'antenne, le Wolfenstein 3D, parce que... Comme il n'y a pas de censure, j'ai peur de me faire dégommer. Mais on, je sais pas, on verra. Mais bref, tout ça pour en revenir au Wolfenstein 3D, là, qui est voilà, le jeu d'origine de ça, que j'adore. De ce moteur 3D là. Il y avait un... Je sais plus quel niveau, je me souviens qu'il y avait, mais alors, sans déconner, il devait y avoir 30 secrets imbriqués les uns dans les autres. C'était un labyrinthe de murs à pousser avant d'avoir un gros gros bonus au bout, du genre un niveau secret. Souvenir. Quoi? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi c'est statistique? J'arrive plus à en parler français. Bon pardon, mais le niveau 4, je le ferai un autre jour. J'ai faim. Je vais manger. Alors peut-être que je le ferai avant 14h, mais je me vois pas manger vite, je vais prendre mon temps. Et 14h, je me promets de vous rappeler qu'il y a l'épisode commenté. Bon, pour ceux qui n'aimaient pas la musique de fou... Désolé, je suis pas trop sur le chat, Dinash, j'essaie de régler un souci avec le PC de Poupon. Ah ouais! Et c'était vraiment dans la panade, Nash, hein, n'hésite pas à me solliciter. Parce que dans la technique, évidemment, comme c'est mon boulot, je peux vous aider en technique informatique. Mais bon courage dans tes résolutions de pépins. Bonne app. Oui, merci, Olive. Bonne app à vous aussi, les copains. Attendez, je vais vous mettre les compiles de clips. Alors, je vais me déclarer déjà. Just